Dans la lignée du couple d'amis qui aiment bien coucher ensemble, mais qui surtout ne veut pas tomber amoureux. On a donc eu en début d'année avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher, Sex Friends, sans parler de Love et autres drogues. Hollywood repasse les plats avec Justin Timberlake et Mila Kunis dans Sex entre amis. You said that I was your soulmate. I did? When? When we were at that bed and breakfast having sex. You know, that doesn't... That doesn't what? Count. Well, a lot of the humor is... Eh bien, c'est vrai que tous les deux, on aime bien l'humour et je crois que c'est ce qui nous a intéressés dans ce projet. Et quand nous nous sommes rencontrés, nous avons découvert que nous partagions le même type d'humour. No emotions, just sex. So I guess we should just start. Bedroom. What's wrong with the couch? The bedroom has better light. And since we're just friends, I don't have to be insecure about my body. Come on, you're beautiful, you have nothing to... That sounds emotionally supportive. Du sexe donc à l'écran, enfin assez peu, mais suffisamment pour faire un bon mot. Quand j'ai découvert que Mila allait être nue dans le film, alors je me suis dit non, je ne veux pas faire ça. Et puis je l'ai fait parce que je suis vraiment professionnel. En tout cas, c'est le deuxième long métrage après Bad Teacher où Justin se retrouve dans un premier rôle. How close can we get to the sign? This is it. All right, come on. No, wait. They take this seriously. Pussy! Are we getting too old for this? Sex? Casual sex. You feel so collegey. Oh, I could sing some Third Eye Blind. Okay. Closing time. One last call for alcohol. That's not Third Eye Blind. I'm pretty sure that's Third Eye Blind.